I am Batman! Retour sur le Let's Play de Batman Arkham Knight. Nous sommes à l'épisode 2, cher Zing. Dès que vous aurez fini de fouiller les quais, je... Et Gordon nous en a appris un peu plus sur la fin de l'épisode précédent, sur toutes les missions secondaires que nous allions devoir faire à travers le jeu. Dans ce restaurant. Il va perdre sa plaque, c'est sûr. Owen, c'est un bon flic. Son boulot, c'est sa vie. Il mérite pas ça. Ah, c'est le fameux flic que nous incarnons dans le tuto, dans l'intro, pardon. De l'introduction en vue FPS quand on tire sur les créatures. Stop. C'est la première fois que je le vois, lui. Les infirmiers disent qu'on ne peut rien faire pour lui. À part prier. Ouais, bah il a ingurgité trop de... Il a absorbé trop de toxines de l'épouvantail. Hein. Il va finir à Arkham, puis c'est tout. Ok, très bien. Hé, hey, Batman! L'épouvantail t'a filé entre les doigts? Tu m'as cassé le poignet pour rien! Il avait projet pour toi, Batman! Pour toi et tous tes amis! Cette nuit, on va enfin détruire la chauve-souris! Alors, tous les personnages que je vais appréhender dans la nuit, que je vais mettre hors d'état de nuire, ils vont finir dans les cellules du GCPD. Donc, c'est cool parce que ça fait une espèce de progression dans le jeu, en fait. À chaque fois que tu viens au GCPD, t'as de plus en plus... Les cellules sont de plus en plus remplies avec les gens que tu croises... au cours de l'aventure, et ça, je trouve ça hyper cool. Allez, go. Ah, attendez, j'ai oublié Jack Ryder. Il parlait de la Batmobile. J'ai oublié Jack Ryder. Il me semble qu'il y a Jack Ryder qui se trouve quelque part dans une pièce. Alors, où, je ne sais plus. Mais étant donné qu'il s'agit d'un easter egg de l'homme mystère, il faut que je trouve. Cassé le poignet pour rien. Il avait. Parce que je sais pas quand je reviendrai là. Donc, par contre, je sais plus où il est. Maximum sécurité. Ah, il est là, bon, là, tout simplement. Toujours aucune trace du prédicateur. Calme-toi. Quelque chose me dit qu'il finira par... Qu'est-ce que tu fais là, Ryder? Hé, comment va mon justicier préféré? C'est pas ta nuit, on dirait. Tu ne devrais pas être à Gotham. Tu te demandes ce que c'est que cette cassette? Je te le dirai si, en échange, tu me promets de me tenir au courant. Marché conclu? C'est dangereux. Tu aurais dû évacuer avec les autres. Et passer à côté du scoop de l'année? Ou plutôt, du siècle? Ça y est, je tiens ma chance de revenir au top. Donnant, Batman. Quoi de neuf sur l'épouvantail? Tu as des pistes? Évite les problèmes. Eh, j'essaie, mais il me rattrape toujours. Voilà, comme ça, au moins, ça c'est fait. Et bien évidemment, vous avez toujours des parties de scénario qui sont rajoutées, qui sont débloquables au fur et à mesure de la progression in-game. Je ne vous les dis jamais parce que ben, ça alourdit le let's play, hein, tout simplement. Donc, et puis ça vous fera toujours quelque chose en plus à découvrir si jamais vous achetez le jeu, si vous ne l'avez pas encore fait. Donc là, on parlait de ma voiture. Effectivement, elle est passée à la vitesse supérieure, si on peut s'exprimer ainsi. Si on la compare à la Batmobile de Arkham Asylum, qui était moins. Bonsoir, monsieur Wayne. J'ose espérer que la voiture répond à toutes vos attentes. En fait, Lucius, je trouve qu'elle se traîne un peu. Je m'attendais à ce type de commentaire de votre part. Laissez-moi un petit moment pour activer la fonction de post-combustion. Merci, Lucius. C'est très noble à vous d'être resté. Vous voulez me remercier, monsieur Wayne? Essayez de ne pas faire de sortie de route. J'aurai bientôt de nouvelles améliorations. Sera en ruine et que je tournerai mon regard vers l'horizon. La légende de Batman.
Lucius Fox, donc je disais, un personnage qu'on rencontre dans la saga, enfin qu'on retrouve, dans la saga des Dark Knight de Nolan, qui est un petit peu l'ingénieur en chef de Wayne, Wayne Enterprise, celui qui aide Batman dans tout ce qui est technologie, etc. Tout ce qui est logistique. Voilà. On va dire qu'Oracle, c'est tout l'aspect informatique. Lucius Fox, c'est toute la logistique et la technologie. Et Alfred, c'est plus la psychologie, finalement. Donc là, on est dans la tour de l'horloge. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a dans cette putain de bâtiment à l'ancienne, quoi. C'est là où réside toute la magie de cette ville Gotham City. On a les bâtiments futuristes qui côtoient les vieux bâtiments délabrés du siècle dernier, tu sais. Il y a un côté un peu steampunk. Et là, si mes souvenirs sont bons, mes souvenirs qui remontent à 3 ans, il faut activer un... Ça doit être cette petite statuette. Nous avons Barbara Gordon accompagnée de Tim Drake, le troisième Robin, puisqu'ils sont en couple. Barbara Gordon, elle s'est tapé deux Robins sur identité confirmée. Avec Tim Drake et Dick Grayson. Fouiller dans vos affaires. Vous avez réussi à réduire le composé à ses éléments de base. Mais il ne contient rien qu'on puisse traquer. Peut-être qu'on prend les choses dans le mauvais sens. Si au lieu de chercher la toxine, on se tournait vers son processus de fabrication. J'aurais dû y penser. La réaction génère un pic de radiation unique. Scannez la ville et trouvez cette empreinte énergétique. Comme ça, on saura où l'épouvantail fabrique sa toxine. Ça va prendre quelques heures pour aligner les satellites. On n'a pas le temps. Je vais rediriger l'antenne des studios de cinéma. Bruce, j'ai eu mon père. Je déteste lui mentir. Il me tuerait s'il savait que je suis encore en ville. Il s'en veut encore pour ça. On arrêtera l'épouvantail. James Gordon qui ne sait toujours pas que sa fille travaille pour Batman. Alors qu'il faut que je me barre par... Faut que je me barre par la trappe, hein, et pas par l'ascenseur. Hein. Après tout, je suis Batman. Jim, on a un moyen de localiser l'endroit où travaille Crane. Dieu merci. Qu'est-ce que je peux faire? Préparez vos hommes. Je vous ferai signe dès qu'on en saura plus. Parfait. Ça, voilà, ça c'est la Bat-Family que je tolère. La Bat-Family au sens large du terme, que je tolère. James Gordon, sur le terrain en tant que flic. Vous connaissez le gars qui bosse avec... Donc c'est toute l'aide un peu légale que peut apporter James Gordon, puisqu'il est dans la légalité étant donné qu'il est flic. Donc James Gordon sur le terrain en tant que flic, en tant que commissaire. Sa fille Barbara Gordon dans tout ce qui est appui informatique à Batman. Lucius Fox, l'ingénieur en chef de Wayne Tech, de Wayne Industries, qui est donc l'appui logistique de Bruce. Alfred, l'appui psychologique, le soutien psychologique. Et un petit peu technique aussi, mais beaucoup moins poussé que Lucius Fox, hein, puisque Alfred n'a pas les mêmes compétences scientifiques et techniques que Fox. Mais j'aime beaucoup, c'est, voilà, ça c'est des personnes... Pour moi, c'est ça, la Bat-Family. C'est pas des connards en collant rouge ou des pétasses qui, parce qu'elles ont une ceinture noire de judo à la MJC du coin, se permettent de faire le même boulot que Batman, tu vois. Pour moi, la Bat-Family, elle est crédible, là. Tu vois, cette Bat-Family-là, elle est crédible. Et celle-là, je la tolère. Ce sont juste des soutiens logistiques, ce sont juste des assistants, tu vois, et c'est ça que j'aime bien. Et j'aime beaucoup Lucius Fox parce que c'est un personnage qui malheureusement n'apparaît pas dans beaucoup de médias, on l'a dans les films de Nolan, mais c'est tout. On l'a dans Dark Knight, enfin dans Arkham Knight, mais on ne l'a pas dans les autres jeux Arkham. C'est-à-dire que Lucius Fox, il apparaît pas souvent dans les médias Batman,
Mais moi j'aime bien ce personnage-là parce qu'il apporte de la crédibilité à Batman, au monde de Batman. Il apporte de la crédibilité dans le sens où ben là t'as un ingénieur qui te conçoit ton stuff en fait. C'est pas Bruce Wayne qui sait tout faire. Donc on explique des choses. On commence sérieusement à tourner en rond ici. Bref. Plonger depuis un toit pour planer sur de longues distances. Faut que j'aille là-bas. Merde, non. Ah bah non, mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Tour de l'horloge qui est le quartier général de Barbara Gordon, hein, c'est un peu son repère. C'est un peu sa Batcave à elle. Et là où je suis déçu dans ce jeu, c'est que on n'a pas de Batcave. On n'a pas de Batcave et ça me fait chier. Parce que du coup, on va devoir venir ici pour enquêter. On va devoir venir à la tour de l'horloge qui n'est pas le QG de Batman, qui est le QG de son assistante. Et Batman, bah, normalement, il enquête dans la Batcave. Qu'est-ce qui les empêchait, les développeurs, de nous faire aller à la Batcave via un souterrain ou un égout, tu sais, un passage dérobé sous. Hop, une petite cinématique, on est arrivé à la Batcave et on enquêtait depuis la Batcave. Alors, Rocksteady, je sais pas ce qu'ils ont contre la Batcave, mais trois jeux et on l'a quasiment pas vu. Quoi. Heureusement qu'il y a Arkham Origins pour remonter un peu le niveau à ce niveau-là. Alors concernant tout l'aspect, comment dire, je parlais du fait que Lucius Fox est un personnage qui apporte un peu de crédibilité dans le monde de Batman, qui est un monde qui se veut entre guillemets réaliste à partir du moment où le personnage de Batman est un humain et qu'il n'a pas de super pouvoir. En cela, le personnage se veut un peu plus réaliste que ce qu'on a l'habitude de voir au niveau des super-héros dans les comics. Mais je lisais un article d'un journaliste qui m'a bien fait marrer, d'ailleurs on va se mettre un peu en hauteur et je vais vous le lire en fait. Je vais prendre 5 minutes pour vous lire un article que j'ai trouvé sur internet, je citerai mes sources, hein, c'est pas moi qui l'ai écrit cet article. Et je l'ai trouvé super sympa, donc je vais vous le lire. En fait ça parlait de la... Comment dire ? Du fait que même si Batman est un personnage qui en soi se veut réaliste, eh bien, c'est un des personnages qui l'est le moins finalement dans le monde du comics parce que bah, c'est tout autant. Son histoire est encore moins réaliste finalement que l'histoire d'un extraterrestre qui vient se cracher sur Terre et qui a des super pouvoirs. L'article s'appelle « Étant donné nos technologies actuelles, serait-il possible de devenir Batman ?» Je vais prendre 5 minutes pour vous le lire, je suis désolé. Donc là, ça va être un petit temps mort, mais je trouve ça intéressant de vous le partager. C'est un article qui a été écrit par Cora pour le site Slate FR et qui a été traduit par Iris Ngitalay le 9 novembre 2019, à 10h01, voilà qui est précis. Dans quelle mesure aurait-on besoin de s'entraîner? De quoi le costume serait-il fait? Qu'en est-il des autres ressources? La réponse est de Mark Hughes, fan inconditionnel de Batman et expert en la matière. En très gros, non. Batman est un personnage qui ne serait pas réalisable, entre guillemets. On ne pourrait pas devenir Batman. Même si on avait tout l'appui possible logistique et tout l'appui financier qu'a Bruce Wayne, on ne pourrait pas devenir Batman. Pourquoi ? Alors, il faudrait déjà des années de formation. Le génie de Batman tient à ce qu'il fait semblant d'être réaliste et nous laisse nous convaincre qu'avec suffisamment d'argent et d'entraînement, nous aussi, nous pourrions devenir Batman. Mais ça reste de la fiction, une fiction simplement plus séduisante et convaincante et donc plus amusante. Si vous vous enroulez dans l'armée à 18 ans et rejoignez les forces spéciales tout en continuant à étudier le soir pour obtenir un double diplôme en justice pénale et en psychologie avec option chimie, peut-être aurez-vous aussi le temps de prendre des cours d'investigation le week-end pour devenir enquêteur privé. Parce que Batman, en plus d'être extrêmement fort physiquement, de maîtriser 100 arts martiaux, faut savoir qu'il maîtrise toutes les compétences possibles en termes de science, en termes de médecine, en termes de technologie. Il maîtrise plusieurs langues anciennes et vivantes, Batman. C'est-à-dire que c'est une encyclopédie ouverte. Hein. Batman, c'est une encyclopédie à lui seul. Donc voilà, il faut prendre tout ça en compte, en plus du fait que le mec est milliardaire, et etc., etc. Après 10 ans passés, donc on a commencé notre carrière de Batman à 18 ans. Après 10 ans passés à mener tout cela de front, vous aurez alors 28 ans. Et il vous faudra entretenir votre forme physique, tout en décrochant un emploi au sein de la police, afin d'apprendre à résoudre de vrais crimes et à enquêter sur le terrain en vue d'acquérir l'expérience nécessaire pour passer maître en la matière. Admettons que vous êtes très doué et que pour devenir un enquêteur de haut rang, vous ne mettez que 3 ans.
Vous avez maintenant 31 ans et vous venez seulement de terminer le niveau le plus élémentaire de la préparation nécessaire pour devenir un expert dans quelques-uns des domaines les plus évidents pour égaler Batman. Vous devez désormais démissionner des forces de police et vous concocter une bonne couverture pour que personne ne soupçonne que vous êtes Batman, vous l'expert dans tous les domaines que Batman maîtrise. Vous devez faire attention à vivre votre vie sans jamais révéler votre véritable opinion sur les crimes et les justiciers. Vous devrez même la dissimuler à moins que vous ne cherchiez à vous faire arrêter la première fois que Batman débarquera en ville. Vous devez donc prendre le temps de vous entraîner à blanc, en ville, afin de vous familiariser avec les toits et les issues de secours, d'apprendre à courir la nuit sans vous faire remarquer et vraisemblablement à utiliser vos cordes et vos crochets et tout autre équipement dont vous pourriez avoir besoin pour vos patrouilles de nuit. Vous entraînez donc et vous occupez des derniers préparatifs en cas d'urgence. Pendant tout ce temps, vous devrez avoir investi et amassé une fortune car les technologies dont vous aurez besoin pour vous approcher d'une version de Batman dans le monde réel coûteront des millions. Et c'est ce que vous avez fait. Alors vous commencez à dépenser votre argent pour vous faire une armure équipée de dispositifs électroniques pour communiquer avec vos assistants, d'une vision de nuit et d'autres fonctionnalités. Vous avez maintenant besoin d'une base opérationnelle. Alors vous achetez un de ces vieux silos à missiles vendus par l'armée. L'armée en vend vraiment et c'est plutôt cool à l'intérieur apparemment. Et vous en faites votre quartier général secret où vous stockez vos ordinateurs, vos équipements de surveillance, votre voiture, votre moto et tout autre matériel dont vous pourriez avoir besoin pour votre mission de justicier. À ce stade, vous avez 32 ans. Vous êtes seulement sur le point de vous aventurer dans la nuit pour la première fois en tant que Batman. Vous cherchez... Alors, le passage à l'action. Vous cherchez encore et encore... Ah, vous entendez une sirène de police et vous captez un appel radio de la police. Une querelle de ménage. Bon, ce n'est pas vraiment du ressort de Batman, alors vous laissez la police s'en charger. Vous recevez un autre appel à propos d'un cambriolage. Batman va enfin passer à l'action. Vous traversez la ville en courant, sautant de toit en toit. Et là, vous remarquez que c'est plus dangereux que ça en a l'air dans les BD. Vous avancez, vous êtes à plein régime, vous atteignez les 15 km/h à tout casser. Peut-être un peu moins étant donné que vous devez esquiver les obstacles et vous arrêter bord du toit afin de vous élancer à nouveau. Quoi qu'il en soit, vous sautez de toit en toit quand soudain vous réalisez que les voitures de police sont tellement loin que vous n'entendez presque plus leurs sirènes. Pas étonnant que Batman ait sa voiture, cette histoire de toit c'est plutôt cool mais j'arriverai jamais à temps pour stopper un crime. En effet, les premières nuits, lorsque vous débarquez sur le lieu d'un délit, le cambriolage, la fusillade ou autre est déjà terminé et vous réalisez que c'est plutôt logique, puisque la plupart des délits sont généralement signalés une fois qu'ils sont accomplis et pas pendant. Vous vous souvenez aussi que quand vous étiez policier, vous ne tombiez presque jamais sur un crime au moment même où il avait lieu. Comme beaucoup de policiers qui se respectent, vous n'avez jamais été témoin d'un flagrant délit, et ça continue en tant que Batman. La deuxième semaine, vous commencez à en avoir marre que 90% des délits dont vous êtes témoin soient de simples junkies pathétiques en train d'acheter du crack à d'autres junkies pathétiques vendant des drogues pour se procurer leur dose. Quand vous faites peur à un camé sans abri, vous êtes loin de vous sentir comme Batman. Vous avez essayé de poursuivre un gosse que vous aviez vu frapper une femme et lui piquer son sac à main, mais ce n'est pas évident de mener une course-poursuite depuis les toits. Vous devez employer la méthode traditionnelle, à pied dans la rue. Dans votre costume de Batman, à la vue de tous, les gens prennent des photos avec leur téléphone. Et une voiture de police au croisement semble vous avoir vu. Elle allume son gyrophare et maintenant c'est après vous qu'elle en a. Super, vous voilà obligé de laisser filer le gosse pour vous faufiler dans une allée et grimper sur le toit afin de vous enfuir. Au cours de la troisième semaine, la chance vous sourit. Un vol à main armée de l'autre côté de la rue. Vous sautez sur le capot de la voiture, votre cape sur le pare-brise comme dans Dark Knight Returns. Pris de panique, un ado côté passager tire un coup de feu à travers le pare-brise, faisant exploser votre torse. Heureusement que vous portez une armure, la balle s'est contentée de déchirer votre costume et de vous faire tomber par terre, mais bon sang, comme ça fait mal, vous en avez le souffle coupé, juste assez longtemps pour que la voiture démarre en trombe. Vous vous levez en colère, juste à temps pour constater que tout le monde est en train de vous prendre en photo et de fixer votre costume en lambeaux. Puis la police débarque, et vous voilà de nouveau en fuite. Sauf que cette fois-ci, vous êtes blessé, car bien que l'armure ait stoppé la balle, vous êtes contusionné et vous vous êtes cassé une côte, vous êtes rapide, mais pas assez. Les officiers de police dégainent leurs armes et vous ordonnent de vous arrêter. Vous vous retournez, tentez d'attraper le fumigène suspendu à votre ceinture afin de dissimuler votre fuite. Malheureusement pour vous, les officiers remarquent votre geste et ouvrent le feu. Votre armure est déjà dans un sale état. Oh oh. Lorsque vous vous réveillez aux urgences, votre masque et votre costume ont disparu. Vous souffrez, mais les médecins sont parvenus à retirer les balles et à regonfler votre poumon. Par contre, vous êtes menotté au lit. Grâce à vos talents d'enquêteur, vous pourriez facilement vous détacher pour vous enfuir, mais l'infection au staphylocoque doré que vous avez contracté après l'intervention est plutôt sérieuse et vous vous sentez vraiment mal. Vous décidez donc d'attendre qu'il fasse nuit pour vous faufiler dehors.
Sauf que vous vous endormez à cause des médicaments et à votre réveil le lendemain matin, la police vient vous chercher pour vous emmener à l'infirmerie de la prison. Vous y passerez un mois en convalescence jusqu'à ce que vous puissiez être transféré en vue de votre première comparution au tribunal. À cette occasion, votre seule remarque au juge sera la suivante. Je suppose que ce n'est pas vraiment possible de devenir Batman. Voilà. Un très gros petit article qui témoigne de la difficulté, de l'impossibilité même de devenir un Batman, même si on avait tout l'appui technologique, toutes les ressources financières et l'entraînement, etc., etc. C'est juste comme quoi Batman est bel et bien un personnage de fiction, et c'est pas parce que c'est juste un humain que, bah, que c'est si réaliste que ça, finalement. Hop. Je trouvais ça sympa de vous faire partager cet article. Qui m'a bien fait rire. Faut savoir qu'aux États-Unis, les gens qui se prennent pour des justiciers, ça existe. Le générateur est endommagé. Hein. Je dois le contourner et alimenter directement l'antenne. Il y a des gens qui s'habillent en super-héros et, que puis-je faire pour vous, cette et fois qui essayent de faire ce truc. Le treuil électrique est prêt au déploiement. Il est opérationnel à 100%. Sauf si vous avez l'intention de hisser votre voiture jusqu'au sommet d'un immeuble. Vous êtes télépathe. La télépathie fait partie de mon travail, monsieur Wayne. La Batwing est en route. Ils ont repris un peu la personnalité du Lucius Fox du film, hein, c'est-à-dire qui... Tu vois, un peu, qui rigole un peu, qui est un peu ironique, tu vois, j'aime beaucoup cette personnalité. Dans Batman Begins, le mec fait style de pas comprendre que Bruce Wayne, que le personnage, que le Bruce Wayne qu'il a en face de lui est en réalité ce Batman dont parlent les médias, tu sais. Il le sait très bien, mais c'est juste qu'il fait, il fait mine de pas comprendre, et ça m'envoie du rêve. J'aime beaucoup ce... En plus, il est interprété par Morgan Freeman, qui est un excellent acteur. Hein. J'aime beaucoup Lucius Fox, et là, ils ont repris un peu le même personnage, la même façon de parler et tout, donc c'est cool. Et donc ouais, comme je disais, il y a vraiment aux États-Unis des gens qui se prennent pour des justiciers et qui essayent de faire le bien la nuit dans les rues. Alors forcément, ils sont à pied, ils marchent dans les rues, quoi. Ils peuvent pas faire autrement, quoi. Et le plus connu, c'est Phoenix Jones. Le plus connu et le plus efficace, parce que lui, il était assez efficace quand même quand il opérait. Il avait une espèce de bombe au poivre, en fait, une bombe lacrymogène. Bombe au gaz de poivre, là. Qu'il utilisait contre les gens qui se battaient dans la rue, ce genre de choses. Et apparemment, Phoenix Jones, il a une petite, il y a un petit easter egg dans le jeu Infamous 3 Second Son. Il y a un petit easter egg concernant Phoenix Jones. Apparemment, il y aura un poster de lui dans le jeu, en fait. Une affiche géante de lui dans le jeu. Ça a mal fini parce qu'il a... Enfin, ça a mal fini, ça aurait pu très... beaucoup plus mal finir que ça. C'est juste qu'il a fini en garde à vue. J'improviserai. Parce qu'un soir, il a frappé un mec assez violemment. Une fois attaché, il suffit de faire marche arrière. Donc il s'est fait arrêter. Il était obligé de révéler son identité. Et donc il a révélé son identité aux médias, quoi. À visage découvert. Il a dit qui il était, pourquoi il faisait ça, quoi. Et en très gros, le mec, ben, c'est un champion de MMA, donc il était assez solide, quoi. C'était pas n'importe qui, quoi. C'est-à-dire qu'au moins dans la rue, s'il devait se battre, il avait déjà des bases, quoi. C'est pas comme si moi, du jour au lendemain, je devais aller me prendre pour un justicier dans les rues de Dijon, tu vois, rien à voir. Alors, du coup, hop. Phoenix Jones, tapé sur Internet, il y a même une vidéo de la chaîne de Paul. Je sais pas si vous connaissez la chaîne de Paul, youtubeur français. Vous tapez la chaîne de Paul et vous tapez Phoenix Jones, je crois. Il y a une vidéo qui en parle beaucoup mieux que je ne saurais le faire sur cet épisode de Batman Arkham Knight. Il n'est pas destiné à ça. Allez, on y va. Hop, je me mets directement en mode combat pour stopper la voiture parce que sinon avec l'inertie je retombe au sol. Là, il s'agit d'un petit parcours d'obstacles à bord de la bataille. Il y en aura quelques-uns dans le jeu comme ça. Les plus compliqués seront ceux de l'homme mystère. Hop. Beaucoup
plus simple de se déplacer en mode combat. Vous avez remarqué que tout le décor est destructible. Donc il faut faire attention à ne pas tomber, à pas casser une balustrade et tomber. Bam, je suis vraiment content de refaire ce Batman Arkham Knight pour de bon sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir les petits. Ah, je suis hypé là, je suis dans ma période Batman, je me regarde. Actuellement je me regarde tous les les dessins animés de Boost Team, là j'ai le coffret collector Blu-ray, pardon. Et je suis en train de me refaire tous les épisodes, donc ça fait vraiment plaisir parce que ça c'est du bonheur. Le point d'ancrage est bien fixé au mur. Je ne peux pas le faire bouger, mais peut-être qu'il peut supporter le poids de la Batmobile. Ah, faut que j'y aille comme ça. Bam. Allez, monte. Is. Et on se détache. J'aime bien la transition, tu vois, là t'es en mode combat et j'aime beaucoup le bruit et l'animation de la voiture quand tu repasses en mode route, quoi, en mode déplacement, regardez. Ah, c'est super classe, je trouve. Donc là, il faut que je suive la petite jauge orange en bas à droite. Faut que j'accélère trop ou pas assez. Voilà. Afin de distiller le bon débit de courant pour alimenter la station. Oracle, j'ai restauré l'alimentation de l'antenne. Parfait, je me connecte. Je viens de discuter avec Robin. Vous devriez lui parler. Bruce, tu as besoin de moi. On trouvera l'épouvantail plus vite à deux. Ce que tu fais est plus important, Tim. C'est pas à la minute. Je t'accompagne. Je contrôle la situation. Ah, d'accord. Écoute, essaie de me tenir au courant de temps en temps. On fait équipe, je te rappelle. Il veut seulement aider, vous savez. Est-ce que l'antenne est prête? Oui. Mais il nous faut une tour à micro-ondes pour trianguler la position de l'épouvantail. Il y en a une chez Falcon Shipping dans le chaudron. Je l'ai indiqué sur votre carte. Merci. Une tour à micro-ondes, rien que ça. Ouais, du coup, Robin Tim Drake, qu'on n'aura pas vu beaucoup dans les jeux Batman Arkham. On l'aura vu une cinématique de lui dans Arkham City. Le DLC d'Arkham City contre Harley Quinn là, permet de nous mettre dans la peau de Tim Drake pendant quelques minutes de jeu. Hein. Le DLC devait faire une heure à tout casser. Mais hormis ça, c'est tout quoi. C'est tout. Alors faut que j'aille là-bas apparemment. Ouais, c'est ça. Allez, go. Et là, vous avez remarqué que Booster de Grappin est beaucoup plus permissif que dans Arkham City. C'est-à-dire que je peux le déclencher de beaucoup moins loin en fait. C'est-à-dire que je peux attendre plus longtemps avant de le déclencher. De manière, le jeu est plus permissif qu'Arkham City au niveau du déplacement, au niveau du combat, tu peux te permettre des choses un peu plus osées quoi. Le jeu a été pensé pour être beaucoup plus réactif. Et ça c'est cool. C'est pour ça que pour moi Arkham Knight, si je devais choisir entre Arkham Knight et Arkham City, c'est-à-dire si j'étais sur une île déserte et qu'on me disait voilà une console, une télé, choisis un jeu Batman, tu prends lequel? Je serais bien emmerdé parce que sur une île déserte il n'y a pas d'électricité. Mais sans parler de ça, voilà, on me dirait choisis entre Arkham City et Arkham Knight, parce qu'Arkham Origins c'est mon préféré, donc je prendrais Origins sans hésiter. Mais si on me disait prends entre Arkham Knight et Arkham City ton préféré, je prendrais Arkham Knight. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous que ça va révolter. Arkham City généralement c'est le Batman Arkham que tout le monde préfère, mais pas moi, parce qu'en fait entre Ego Arkham Knight pour moi c'est une comment on appelle ça, une update en fait de Arkham City. Je trouve qu'Arkham Knight c'est le même qu'Arkham City en plus joli, parce que forcément le jeu est moins vieux, avec un gameplay qui est plus permissif, qui est plus jouissif de par ce fait. Je préfère l'histoire d'Arkham Knight à Arkham City, puisqu'Arkham Knight nous présente comme méchant principal l'épouvantail et Arkham Knight, alors qui sont des ennemis que je préfère largement au Joker, alors que l'ennemi principal d'Arkham City c'est le Joker. Enfin voilà, il y a des choses qui font que je préfère Arkham Knight à Arkham City. Seulement la Batmobile me débecte. Et il y a une autre chose qui me débecte dans Arkham Knight. On parlera de ça un peu plus tard. Il y a deux choses qui me débectent dans Arkham Knight. La Batmobile et autre chose. Vous allez très vite vous rendre compte de ce dont je veux parler. 5 soldats, tous armés. S'ils me repèrent, ils tueront l'otage. Je dois atteindre un point d'observation pour les attirer dehors.
C'était pas là. Si je les sépare, ils seront plus faciles à avoir. Batarang. Faut que je tire où là? Au pif. Hey, vous entendez ça? Il y a quelqu'un dehors. Ça a marché. Regardez-moi ce visuel, les gars. C'est si pas la classe. Batman, il a tellement la classe dans toutes les situations. Regarde-moi ça. Alors attendez, il y a deux mecs qui sont sortis là. Faut que j'y aille discreto. C'est un tuto donc c'est relativement simple. Il n'y a pas de soucis. Ça va vite. Ça se passe bien. Personne ne se retourne. Les mecs sont cons comme leur. C'est-à-dire que les mecs sortent parce qu'ils ont entendu du bruit, mais ils regardent pas. À l'intérieur. Ils se pensent en sécurité ensemble. Ils se contentent de regarder là où c'est improbable qu'il y ait du monde parce que c'est l'océan. Lucius, j'ai affaire à une prise d'otage. Trois hommes armés. Il faut que je les neutralise avant qu'ils aient le temps de réagir. Tout est prêt? Des plaques flexibles sur une couche blindée de fluide des mers. Vous vous déplacerez plus vite et frapperez plus fort tout en paraissant plus effrayant. J'avais oublié ce détail. Allez-y, Lucius. Maintenant. C'est déjà en route, Monsieur Wayne. En fait, il y a trois choses qui me débectent dans Arkham Knight. La Batmobile, la troisième chose, on en parlera plus tard, et la deuxième chose, elle arrive tout de suite. Voilà une chose qui me débecte dans ce jeu. Vous allez vite comprendre. C'est pas la Batmobile, mais c'est ce qu'il y a dans ce conteneur. Voilà, c'est ça. L'objet du crime. La nouvelle tenue, celle qu'on va arborer durant tout le let's play. Ou pas. En tout cas, la petite cinématique là, c'est classe. Ça, c'est l'iconisation du personnage. Dans un film Batman, tu dois avoir une séquence où Batman s'habille. Ça fait partie de l'iconisation du personnage. Le problème, c'est que ce costume, je le trouve moche et beaucoup trop bien, high-tech. Monsieur Wayne, je vais tout vous expliquer. Les couches extérieures et intérieures de la tenue sont constituées de tissages triples trempés au titane. Mais c'est entre ces couches que ça devient intéressant. D'accord, j'ai rien compris. Le fluide des mers Wayne Tech se solidifie en cas d'impact. En absorbant ainsi les chocs, vous pourrez appliquer davantage de force à vos contres. L'armure liquide est aussi plus souple que celle en fibre que vous portez habituellement. Déjà. Grâce à cette flexibilité accrue, vous serez en mesure de neutraliser rapidement plusieurs ennemis d'affilée. La tenue est aussi compatible avec le mécanisme d'éjection électromagnétique de la Batmobile. Vous décollerez aussi vite qu'un boulet de canon électrique. Donc là, en fait, on t'explique que propos, toutes les plaques... Le nouveau grappin vous permettra de vous hisser vers le haut aussi rapidement. Ça, c'est cool, par contre. Ne vous en faites pas, Monsieur Wayne. La tenue encaisse bien léger. En fait, en très gros, on t'explique que cette nouvelle tenue est composée de plaques... J'ai activé les programmes d'entraînement. Ouais, on va faire un entraînement. Si vous voulez lancer un diagnostic ou simplement ouais, j'y vais. On t'explique que cette tenue high-tech, elle est composée de plusieurs plaques qui sont apparentes, on les voit très bien, on voit très bien la délimitation entre toutes ces plaques, qui sont movibles en fait, enfin qui bougent entre elles en fait, parce qu'elles reposent sur une structure liquide. Voilà. Alors en soi, bon, après on est dans un jeu Batman, donc les explications je m'en fous, c'est pas ça que je trouve, je vais pas dire que je trouve ça incohérent étant donné que j'incarne un mec qui se balade en chauve-souris, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire c'est que cette tenue, je parle juste du visuel, je la trouve dégueulasse quoi. Elle est hyper high-tech, regardez les oreilles, c'est on pourrait embroucher littéralement les ennemis avec des oreilles comme ça. Elles sont hyper pointues, hyper droites et beaucoup trop longues à mon goût. Vous savez que j'ai un problème avec les oreilles, je suis un fétichiste des oreilles, mon chien le sait, je suis toujours en train de lui tripoter ses oreilles pointues. En plus, je dis que mon chien, quand il est de profil, il a le même profil que Batman. Du coup, ça me rend ouf. Mais je suis un fétichiste des oreilles. Et j'aimais bien les oreilles du Batman de Batman Begins. J'aime bien les oreilles du Batman de Arkham Origins parce qu'elles sont courbées vers l'avant. Et elles sont assez larges, pas trop épaisses et assez courtes. En fait, voilà. Je le dis, je suis un fétichiste des oreilles, les gars. Mais là, ces oreilles, c'est juste pas possible, quoi. C'est des antennes, les trucs. C'est juste pas possible. Bref, ces oreilles sont dégueulasses. Comment dire, le surplus de plaques,
Ça fait vraiment armure, pour le coup. Ça fait plus costume, ça fait armure. Donc je trouve ça moche. J'ai l'impression d'incarner un cyborg ou un truc dans Terminator, là. Les épaulières, c'est pas possible. Regardez, on croirait un manteau de Game of Thrones. Tu sais, les manteaux qu'ils ont, les mecs, là, Jon Snow et tout, là, avec la grande cape. T'as des épaulières comme ça. Je trouve ça horrible. Il y en a qui vont aimer, hein, mais moi, c'est vraiment pas mon kiff. Et la batte-ceinture, qui n'est plus une batte-ceinture, hein, c'est... je sais pas, elle est trop high-tech aussi, elle est trop dessinée, il y a trop de détails sur cette batte-ceinture, je l'aime pas, elle me plaît pas. Bref, le costume ne me plaît pas. Donc on le changera quand on aura la possibilité de le faire, vu que j'ai tous les DLC du jeu, vu que je suis un pigeon, hein, faut le dire. Voilà, moi, lui, c'est un homme chauve-souris, moi je suis un homme pigeon. Et ben du coup, on pourra s'amuser à switcher entre les costumes que j'ai téléchargés pour le coup. Allez, on va faire le programme d'entraînement. Hein. C'est parti. Je disais, donc ça c'est la deuxième chose qui me débecte dans le jeu. Merde. J'étais pas... Allez, on se fait. On va t'envoyer. Allez. Ok. Toi, et pourquoi pas toi? Frappez-le. Donc là en fait ça t'explique tous les nouveaux mouvements qui sont possibles. Parce que cette nouvelle armure, elle t'apporte non seulement des nouveaux combos de combat, mais également des nouveaux mouvements au niveau du déplacement. En fait maintenant, grâce à cette armure, je vais pouvoir me propulser beaucoup plus haut avec le boost de grappin. Donc ça c'est bien par contre, ça c'est cool. Continuer, ouais, il y aura deux questions que je réessaye ce putain de défi. Donc là je gagne un point d'amélioration. Alors attendez, il y a quoi comme défi là? Incomplet, donc là je l'ai pas fait. Ça permet de gagner de l'expérience, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est de l'expérience gratuite ça. Et des points de compétences. Et avec les points de compétences que je vais gagner dès le début du jeu, je vais très vite améliorer le blindage de la Batmobile. Pourquoi je dis ça? Parce que la Batmobile, c'est clairement... Toutes les phases en Batmobile sont les plus dures du jeu en fait, voilà. C'est aussi simple que ça. Les phases les plus dures du jeu concernent la Batmobile. Il y a des passages qui m'ont fait... J'ai des très mauvais souvenirs sur des séquences de Batmobile dans le jeu. Donc pour cette raison, je préfère améliorer en priorité la Batmobile pour en chier moins en fait. Surtout au niveau du blindage et de la résistance quoi. Donc c'est pour ça que quelques petits points d'amélioration gratuits là feront pas de mal. Là, c'est vraiment gratuit pour le coup. Tac. Voilà, voilà. Bah notamment, pour ceux qui ont joué au jeu, déjà, la phase qui m'a fait hurler, moi, avec la Batmobile, c'est contre le Arkham Knight. Quand tu es en combat de tank contre le Arkham Knight, vers le milieu fin du jeu, c'est une horreur. Ce passage, il m'a fait mais péter un boulon, quoi. Ça, c'est fait. Ça, c'est pas fait. Ah, donc ça, c'est un entraînement sur le nouveau booster du grappin. Donc grâce à ma nouvelle tenue, je peux me propulser beaucoup plus haut. Bam, voilà. Ah, c'est déjà pas la même, hein, les gars. Et on avait ça déjà dans Arkham City, des petits parcours comme ça. Ils sont toujours plaisants à faire. Donc du coup... Ah ok, je me demandais ce qu'il fallait que je fasse. Ça s'est affiché au dernier moment. La réponse est simple, utiliser le boost. Donc il y a plusieurs niveaux de boost, hein. Vous en avez jusqu'à 4 je crois. Et ça c'est améliorable. C'est-à-dire qu'en plus de l'amélioration de base que me confère ma nouvelle tenue, je peux également... Merde, je... Ouh putain, un peu plus je faisais de la merde. En plus de l'amélioration de base que me confère ma tenue, je peux également... améliorer ça avec... Le système moyen tech. J'ai gagné un point là. Ça
me l'a pas stipulé. Ouais, c'est bon, regardez, un pendant plus. Donc ça, c'est hyper cool. Donc celui-là, il est fait. Et il y en a encore un là. Ça, c'est apparemment avec la voiture. Jusque-là, rien de méchant. Voilà, donc là je peux m'éjecter maintenant, et ça c'est super sympa aussi in-game. Sachant que ça aussi c'est améliorable, hein. On a pu s'éjecter en appuyant deux fois sur A. Mais après, je crois qu'on pourra appuyer 4 fois sur A pour gagner encore plus de... Merde! Ok, c'est tout bon. Simulation terminée. Alors ça, si ça m'a encore donné un point, c'est complètement craqué. Parce que là, je vais avoir 3 points à dépenser. 4 même. Encore un dernier là. Celui-là il est pas fait. Donc on va le faire celui-ci. Simulation activée. Là c'est quoi? Approchez-vous d'un groupe de 3 ennemis. Ah oui, ça c'est. Voilà. Donc ma nouvelle tenue, elle me permet de faire également ça. Une nouveauté de gameplay qu'il n'y avait pas dans les autres jeux Arkham. La multi-élimination. Donc là, je sélectionne une cible. Hop, je me dirige vers une autre. En fait, il faut juste diriger la caméra vers la prochaine cible. Et t'appuies juste sur X, en fait. C'est craqué. C'est complètement craqué comme système. Ça dynamise un peu les séquences de gunfight. Et en fait, les mecs sont tellement, surpris qu'ils tirent un peu n'importe où. C'est pour ça qu'ils me touchent pas. Ceci explique cela. Là, j'imagine qu'en passant par la trappe, il y a moyen vu qu'ils sont juste en dessous. Ouais, ça passe. Hein. Hop, là, tu tournes la caméra. Hop. Alors ça, c'est améliorable aussi. C'est-à-dire que là, je peux faire 3 cibles. En améliorant ça via Wayne Tech, je pourrais en faire 5 ou 6, je crois, maximum. Enfin, c'est craqué aussi, quoi. Alors, attendez, là, que je fasse pas n'importe quoi, parce qu'il y a quand même une distance à respecter entre les 3 mecs. Je peux pas non plus faire parcourir 50 mètres avec mon système, là. Donc, faut que je pense, en fait, faut que je fasse. Ouais, non, ça marche pas. Enfin, si ça marche, c'est juste que moi qui ai fait le con. Donc, lui, en fait, quand il retourne voir ses potes. Est-ce que c'est faisable, ça, en planant, ça? En fait, lui, il faut qu'il retourne vers ses potes. Ah, mais non, mais putain, abruti, va. Ah, je vais refaire la même que tout à l'heure. Voilà. Encore un point là. Donc là tout est fait là. Celui-là je l'ai fait là-bas. Ouais, ça y est, tout est fait. J'ai tout fait dans l'ordre. Il n'y a pas un autre. 3 hommes armés, un otage. Ah oui, on va voir ce que vaut vraiment cette tenue. Attends, juste avant, il faut que j'améliore tout ça. Ouais, donc j'ai 7 points d'amélioration, c'est craqué. Vous voyez pourquoi c'est, il faut à tout prix faire ce truc? Parce que là, comme ça, regardez, je vais me mettre bien sur le blindage de la Batmobile. Là, je me mets bien sur le blindage de la Batmobile, comme ça, toutes les séquences à la con dont je vous ai parlé, ben, elles seront plus faciles à faire. Il a appelé des renforts, qu'est-ce qui se passe? La ferme! Il essaie de nous débusquer. La nouvelle tenue me permet d'être plus rapide et plus mobile. En m'approchant sans être repéré, je peux leur sauter dessus. Ah!
Genre mon application, ce qu'on a appris. C'est aussi simple. Aidez-moi. Il y a un mec ici. Ah oui, il est là, je vais marcher dessus, le pauvre vieux. C'est un flic. Alors. La vache. Sauvé. Je savais que vous étiez doué, mais ces trois hommes armés, c'était du rapide. Spectaculaire. Vous êtes hors de danger. Quelqu'un va venir vous chercher. Merci. Mettez le grappin sur l'épouvantail. Cette pourriture doit être arrêtée. Donc voilà pour ce nouveau costume. On va le garder un petit peu, voilà, histoire de. Mais après, dès que je pourrai. Enfin, un peu plus tard dans l'aventure, je changerai et je mettrai les costumes que j'ai débloqués. Je préfère. C'est des costumes qui ont une histoire, hein, t'as le costume. J'ai attaché le relais à l'antenne micro-ondes. Parfait. J'ai passé un coup de fil anonyme au GCPD. Ils envoient quelqu'un récupérer l'otage. Allez, allez, connecte-toi. Joli costume, au fait. Merci. Ok. Mais je l'aime les pas. Les deux hein. Antennes sont bien en ligne. Où se cache l'épouvantail ? Il faut que j'utilise les deux antennes pour identifier les fréquences radio et micro-ondes dans Gotham. Si je réussis à trouver l'endroit exact où les deux fréquences se rejoignent, je saurai où l'épouvantail fabrique sa toxine. Voilà, un quart d'heure, quoi. Donc là, il faut juste que je triangule la zone. Là-bas, il y a des... Bon, je sais que c'est... De toute façon, voilà, je sais que ça se passe à Ace Chemicals, j'ai déjà fait le jeu. Les fréquences des micro-ondes et des ondes radio pointent vers Ace Chemicals. C'est là que l'épouvantail produit sa toxine. Jim, la toxine provient d'Ace Chemicals. C'est là-bas qu'on trouvera l'épouvantail. Impossible. J'ai posté toute une équipe sur place dès le début de l'évacuation, comme vous l'aviez demandé. Crane les a sûrement corrompus. Ou pire encore. Je suis dans le secteur, je rassemble mes hommes et j'arrive. Restez où vous êtes et attendez-moi, Jim. J'arrive. Eh bien, go, en avant. Allez, c'est parti. Batman va s'occuper de l'épouvantail et moi je vais m'occuper de la fortune de tout le monde. Et une fois que je serai là-bas, je pense que je mettrai fin de tout. Parce qu'il va se passer pas mal de choses à Ace Chemicals, donc je préfère faire tout ça en un seul épisode plutôt que commencer ici et terminer après. Cela n'a pas beaucoup de sens pour vous, mais pour moi ça en a. Je savais pas ça quand on dira pas, je sais pas comment on dira pas. Alors apparemment c'est là-bas qu'il faut aller. Donc là ce qu'on va faire, on va faire comme ça. Alors là j'ai pas été propulsé bien loin parce que la voiture elle n'était pas en mouvement. Mais ça marche quand même. Non ? Ouais, si, ça doit être ça. Il y a pas moyen que je rejoigne l'épouvantail. C'est ça, ça c'est les pompiers. Ouais, j'en ai fait. Hop. Sauver le pompier Adams. Ça, ça sera déjà fait. Batman ! Oh, vous êtes venu ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Le camion a été attaqué. Des émeutiers nous ont attrapés un par un. On a été séparés. Et enlevés. Ils vont nous tuer. Je sauverai vos hommes. Attendez-là. Un agent du GCPD viendra vous chercher. Bah
Bon, écoutez, je vais terminer l'épisode là. Hein. On va aller à Ice Chemicals. Qui est l'usine dans laquelle le Joker est devenu le Joker, pour ceux qui ont suivi The Killing Joke. Et on a une magnifique... On a une magnifique référence à, au Batman de Tim Burton, celui de 1989, dans la séquence qui va suivre, pas dans cet épisode, dans l'épisode qui viendra après j'imagine, parce que ça va me demander quand même de, on va me demander de faire pas mal de choses quand même avant. Vous allez voir, il y a une énorme référence au Batman de 1989. On est à l'usine Ace Chemicals, il y a la Batmobile, voilà, pour ceux qui connaissent le film par cœur, grosse référence à venir. Vous comprendrez mieux quand la séquence aura lieu. Des nouvelles de l'intérieur? Non, rien. On pense qu'il reste une petite équipe là-dedans, mais ils ne répondent pas et le bâtiment est condamné. S'ils sont encore en vie, je les trouverai. Ils devraient pouvoir nous renseigner sur l'épouvantail. Nom d'un chien. Ice Chemicals, tu auras ta revanche.